Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du groupement 2 du CRPE 2014. Donc là, on va traiter la partie B, ski sur la strèfle. Voici l'énoncé. Sitôt arrivé, Albert décide de dévaler la pente appelée strèfle, réputée la plus difficile au monde. Voici quelques caractéristiques de cette piste. Longueur totale 3312 mètres, pente maximale 85%, pente minimale 5%, dénivelé 862 mètres. Première question, Albert s'élance dans la descente à 14h58 minutes et 47 secondes et termine la descente à 15h03 minutes et 8 secondes. Calculez sa vitesse moyenne durant cette descente en km/h arrondie au dixième. Question 2. Le meilleur skieur de la station a réalisé la descente à la vitesse moyenne de 100 km/h. S'il s'était lancé dans la descente au même instant qu'Albert, combien de temps avant lui serait-il arrivé? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, première question, on va calculer le temps de la descente. Donc ici, 14h58 minutes, 58 minutes et 47 secondes. 15h. Et 15h. 3. 15h. 3 minutes. Et 0,8 secondes. Donc ici, il y a. Donc pour arriver de 47 à 0 à 60, on va mettre 13 secondes. Et ici, 1 minute. 1 minute et 13 secondes. Et ici, 3 minutes. Et 8 secondes. Donc ici, 1 minute 13 secondes plus 3 minutes 8 secondes, on obtient 4 minutes 21. Et 4 minutes 21, donc 21 divisé par 60, c'est égal à donc 0,35. Donc 4,35 minutes. Et si on divise par 60, 4,35, on va avoir en heures. Tiens, 0,0725 heures. Donc ici, pour avoir la vitesse moyenne, on fait un tableau de proportionnalité. Donc ici, donc on prend 3,312 pour la longueur totale. 0,0725, 1. Donc ici, le calcul, ça va être vitesse moyenne, 3,312 divisé par 0,0725. Ce qui égale à peu près à 45,7 km/h. Donc la vitesse moyenne durant cette descente est de 45,7 km/h. Deuxième question. Le skieur le plus rapide a fait en 100 km/h. Donc ici, on va faire le temps est égal à 3,312 divisé par 100. Ce qui donne 0,03312. Et en minute, donc 0,0312 heures, ça nous fait 1,9272 minutes. Ensuite, on nous demande si le meilleur skieur était lancé dans la descente au même instant qu'Albert, combien de temps avant lui serait-il arrivé? On a trouvé 4,35 minutes pour Albert, moins 1,9872, ce qui égale à donc 2,3628 minutes, ce qui nous donne, si on transforme en minutes secondes, 2 minutes 21 secondes. Donc le meilleur skieur de la piste a mis 2 minutes 21 secondes à Albert. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.